J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour le bruit, j'ai lancé mon lave-vaisselle. Je fais du coup l'intro à la fin de la vidéo. Mais parce que ce matin il était 5h30 et je vous avoue que j'ai eu du mal à parler. Donc je me suis dit ok, l'intro je la ferai en fin de vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo, ma Miracle Morning. C'est une expérience que je n'ai jamais faite. En tout cas j'ai adoré filmer cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis je vous en dis pas plus, mais en tout cas j'ai fait plein de choses, notamment du sport. C'était fort en émotion, c'était grave cool, c'était une super bonne expérience. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Il est 5h40. Je me suis donc levée à 5h30 et je vous avoue quand même, je suis très fatiguée. C'est dur le réveil, j'ai envie de dormir. On va commencer, donc première chose que l'on va faire, on va s'étirer et méditer. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Expirez calmement. Vous pouvez sentir le contact de votre corps avec son support. Maintenant, visualisez une couleur qui vous donne de la force et de l'énergie. En fait, cette étape, elle vous permet d'organiser votre journée et de vous mettre de bonne humeur puisque vous écrivez deux ou trois trucs qui vous rendent heureux et motivés d'entreprendre cette nouvelle journée. Pensez à prendre des vitamines le matin, c'est ultra important pour garder la forme. Ma skincare, je préfère la faire après mes étirements, ma méditation, pour vraiment me réveiller en m'étirant. Je trouve ça personnellement plus agréable. Après, bien sûr, c'est très personnel, donc vous faites comme vous préférez. Au niveau de ma skincare, c'est une skincare assez rapide, puisque de toute manière, après le sport et ma douche, je vais la refaire. Bon, avant d'aller à la salle, évidemment, on va faire mon sac. Alors mon sac vient de chez Ocean Apart, ma tenue aussi. Dedans, je mets également un haut de sport qui est un manche long, c'est ultra agréable. Je rajoute une petite serviette, la carte de la salle de sport et puis des petites barres protéinées. Les miennes, elles viennent de chez Soul Shapes, elles sont top et elles sont super bonnes. Et en parlant de ça, avec le code XOENJOY10, vous avez moins 10% sur les produits du site. Donc n'hésitez pas à y faire un tour au cas où. Bon, du coup là il est 6h30, j'ai plutôt bien pris mon temps puisque ça fait déjà une heure que je suis réveillée. Donc j'ai fait méditation, j'ai fait de l'étirement, j'ai écrit tout ce qui était ma to-do list, deux, trois autres trucs pour motiver ma journée. J'ai fait ma skincare et j'ai fait mon sac de sport. Du coup là on va partir à la salle, mais juste avant d'aller à la salle, je voulais juste vous dire que du coup la vidéo est en collaboration avec Ocean Apart. Je suis vraiment toujours aussi contente de vous faire cette vidéo en collaboration avec eux parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie. Donc du coup ils m'ont envoyé ce petit ensemble qui est mixte, donc c'est à dire que même mon copain peut le mettre, donc c'est trop cool et il est ultra beau. Donc on a le sweat et puis on a du coup le pantalon. Donc moi je l'ai pris en taille S et vu que c'est un truc mixte, c'est assez oversize quand même. Et ce qui est trop stylé, c'est qu'il a des poches ultra stylées. En fait vous avez pas vos poches normales au niveau du sweat, et en fait sur le côté droit vous avez une deuxième petite poche aimantée et la poche est assez profonde, donc vraiment vous pouvez mettre un téléphone. Et c'est pareil au niveau du jogging, au niveau droit pareil, et ben vous avez une poche aimantée. En vrai c'est pas grand chose, mais ça apporte une valeur en plus à l'ensemble en fait, donc voilà, je vous le conseille, il est ultra bien. Mon copain et moi on l'avait apporté à Londres, moi je l'ai pas trop mis je vous avoue, c'est surtout mon copain qui l'a porté. On avait grave pas froid, genre vraiment il était trop bien. Et sinon ils m'ont envoyé également un ensemble, donc un legging avec sa brassière couleur un peu bleu canard, il est magnifique, il est côtelé, donc ça le rend un peu plus original et il est grave bien aussi. Sur les ensembles legging, il n'y a aucune étiquette, c'est vraiment juste de l'imprimer. Donc vous vous sentez grave bien dedans, il n'y a rien qui vous craque, il n'y a rien qui vous gêne. En tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la marque parce que vraiment ils proposent tellement une large gamme de produits. Avec le code XOENJOYT vous avez une tenue offerte à partir de 79€ d'achat
Donc ça vaut trop le coup puisqu'une tenue, ça vaut environ 69€. Donc en fait, vous achetez une tenue, vous en avez une deuxième au choix offerte. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code, je vous l'afficherai sur l'écran et de toute manière, je vous mettrai le lien ou quoi en barre d'infos. Bon, du coup, là il est 6h40 il me semble, donc là je pars à la salle de sport. Et je vous avoue, en vrai c'est agréable, genre c'était dur le réveil, genre vraiment très dur. Mais j'avoue que c'est ultra agréable de marcher le matin parce qu'il y a vraiment personne. Et il n'y a pas de bruit à part les voitures et les motos et c'est grave relaxant, genre l'air elle est fraîche et tout, c'est cool. Je suis un peu dégoûtée, je voulais trop aller chercher un Starbucks, mais j'ai oublié mon porte-monnaie, du coup je peux pas y aller. Hey, donc là on se retrouve enfin à la maison, donc je viens de prendre ma douche et je vais me préparer, au moins ça c'est fait, je vais aller me maquiller et me coiffer. Et puis... Bon, niveau maquillage, je vais faire un truc assez simple, parce que de toute manière cet après-midi je travaille à Starbucks, le soir je me démaquille et après je me remaquille parce que j'ai une soirée. On va faire un truc simple. Donc comme crème pour mon visage, je vais utiliser la Glow Crème de chez Herborian qui est trop bien. C'est une crème illuminatrice. Cette crème, je la mets davantage l'été parce que du coup, l'été, je mets pas forcément la bébé crème ou un anti-cerne ou quoi. Genre vraiment, ça fait un teint super ensoleillé et tout, j'adore. Ensuite, comme bébé crème, je vais utiliser la CC Double Correct de chez Herborian. Herborian, je pense, c'est l'une de mes marques, voire ma marque préférée. En termes de tout ce qui est teint. Bon, ça, je vous en parle pas, hein, c'est le Bandit's Way de chez Too Faced. Donc, hop, j'en mets au niveau un peu des cernes. Bon, sinon, on va quand même peut-être parler un petit peu du sujet de cette vidéo. Inconsciemment, je pense que j'ai déjà fait. Je me suis déjà des fois levée à 5h30 pour faire des trucs en plus, pour regarder un film ou quoi. Mais dans ma tête, c'était pas pour faire la Miracle Morning. Donc, pour moi, consciemment, c'est la première fois que je la fais. Je vous avoue que le réveil, il était très dur ce matin quand même. Une fois que t'es bien réveillé, que tu te forces à te lever. En vrai, c'est le moment où tu te réveilles qui est très dur, mais sinon, quand tu te réveilles, après, quand t'es réveillé, tu commences à faire de la méditation, tu commences à t'étirer, et au final, tu te sens pas si fatigué que ça. Mais sinon, j'aimerais quand même essayer de m'y tenir et de continuer à faire ça tous les jours, quoi. Tu te rends compte que le soir, quand tu rentres des cours, tu rentres du travail ou quoi, au final, t'as envie de dormir, t'as envie de te reposer. Le fait de se lever tôt, tu vas pas forcément être plus fatigué le soir, mais en tout cas, tu vas pouvoir faire des trucs le matin que le soir, t'aurais voulu faire, mais t'aurais pas eu le temps de faire. Genre, il est 9h40 là, et ma journée, elle vient de commencer, et j'ai déjà l'impression d'avoir fait des trucs que j'aurais dû faire jusqu'à 14h de base, parce que je me lève à 10h30, 11h, vous voyez. Et puis évidemment, pour terminer, un mascara, donc c'est le mascara de chez Bobbi Brown, le Smoky Eye Mascara, et il est trop bien. Genre vraiment, en ce moment, c'est celui que je mets tout le temps. Alors de base, je mets tout le temps le Better Than Sex de chez Too Faced, et je vous avoue, lui, il est assez concurrent quand même, genre il est vraiment cool. Vous êtes prêts pour la transformation là? Elle était pas genre stylée la transition là? Bon, là il est 10h et je vous avoue que j'ai trop faim. Je pense qu'on va se faire du porridge. Il nous faut du lait. Moi je préfère avec du lait d'amande donc. Allez, on va mettre du lait d'amande. Bon bah bon appétit. Ça a l'air très appétissant tout ça. Là, je pense que je vais travailler un peu après mon petit déjeuner. Vraiment, j'adore le porridge. J'aurais kiffé avoir une banane, par contre j'adore les bananes. Ça aurait été grave bon avec mon porridge, mais bon, du coup j'en avais pas, la prochaine fois. Du coup voilà, la vidéo est terminée. Je suis désolée pour le bruit, j'ai lancé mon lave-vaisselle. C'est une mauvaise idée, je sais. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous la filmer. En tout cas, si vous avez déjà testé la Miracle Morning ou si vous êtes en train de la tester ou vous songez à la tester, ben en tout cas testez-la. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de
vraiment me dire votre expérience à vous de cette Miracle Morning. Sinon, bah, on se retrouve samedi prochain à 10h sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram et surtout à YouTube si c'est toujours pas fait. Bisous !